là il réouvre. Hein. Vous croyez que vous êtes payé pour boire le café là? Je m'en occupe pas. Vous voulez me faire un point de circulation? Demandez à mon chef de la communication. Qu'est-ce que vous avez fermé? Je vais le mettre de suite sur le net. Non, mais attendez, on est Montpellier, on est Montpellier quand même. Non, on est non, pas. Non. Qu'est-ce qui est fermé là, le rond-point du M? Ben, actuellement, le rond-point du M est fermé. Jusqu'à quelle heure, vous savez? Ça va être fermé toute la journée. Là, on l'ouvre momentanément pour débloquer la circulation. Et ensuite, c'est fermé toute la journée. L'avenue de Toulouse et la route de Toulouse? L'avenue de Toulouse est en accès libre, il n'y a aucun problème pour la prendre. Juste le rond-point est fermé pour remonter sur l'avenue de Rocamadour. Il y a des gens qui vont traverser aujourd'hui, il vaut mieux qu'ils prennent la route directement. Oui, il vaut mieux éviter le quartier Ovalie parce que bon, il y a le montage de toute la ligne d'arrivée, donc c'est préférable quand on peut d'éviter. La partie ouest de Montpellier plus globalement, sauf si on vient voir le tour. Voilà, exactement. Là. Il vaut mieux éviter la partie ouest dans un premier temps. On a des super agents à Montpellier. Et on essaye de faire le maximum. Et le sourire, on essaye de faire un bon café, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Un beau matin de juillet, un réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer. C'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors je dis bonjour monsieur l'agent. Beaucoup de patience, je trouve. Et quand on a la patience nécessaire, ben, tout est fluide, malgré... Hein, champion ? C'était monsieur Trenduc qui vient de passer. Attendez, je vais éteindre. Non, mais vous filmez par rapport à quoi ? C'est amateur. C'est des choses que je mets à Montpellier sur le site internet. Oui, alors sur le site internet, vous devez flouter. Hein. Attendez. On ne doit pas. Ma femme a cogné si dur cette fois-là qu'on a trépassé le soir même, et voilà.
qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui entraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors moi Saint-Pierre, ben je lui ai dit on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire envoyer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous jetez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et là-bas c'était pas temps. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Bonjour, bienvenue à Montpellier. Dans une ville qui m'est chère, car j'y ai passé beaucoup de temps pour travailler. J'y ai été étudiant et j'ai commencé par faire des études de droit. Des études de droit, mais j'étais pas assez droit, donc je suis passé à la fac de lettres après. Donc voilà, en tout cas, un peu d'émotion pour moi parce que je suis du secteur, même si mes racines sont lozériennes. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Languedoc-Roussillon. Je sais que le transfert s'est bien passé hier, pas de soucis majeurs entre Marseille et Montpellier. Hein, globalement, ça s'est bien passé, tous ceux qui ont fait le transfert. C'est bon, pas de souci. Tout ça pour vous dire que nous allons donc rentrer dans une phase où nous avons en tout cas mangé notre pain noir. Notre pain noir, alors c'est un peu paradoxal de dire ça, il est noir pourquoi ? Non pas pour les lieux que nous avons visités, pour les lieux où nous nous sommes installés, pour les villes que nous avons donc rendues heureuses de recevoir le tour, simplement, techniquement, c'était passablement complexe. C'est vrai que bon, le départ de Corse a été une énorme réussite. Christian Prudhomme, donc, vous l'a dit. En termes d'audience télé, c'est les meilleures audiences depuis 10 ans pour le Tour de France. Et donc, nous avons enchaîné avec un transfert bateau où tout le monde a joué le jeu. On était tous un peu crispés, un peu tendus. Nous avons eu ensuite une installation à Nice qui n'était pas facile, en tout cas pour la zone technique d'arrivée. Nous sommes passés à Marseille, où nous avons donc découvert une installation et une mise en place sur un parking avec des différences de niveau, ce qui fait que c'était compliqué pour nous. Vous y avez passé la nuit. J'en ai parlé avec Eddy tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est là, Eddy. Ouais, tu es là. Ok. Donc, on a fait un point tout à l'heure. Nous rentrons dans une phase où nous serons certes dans l'obligation, évidemment, de réussite. Mais en même temps, nous allons retrouver, et nous avons retrouvé, des lieux que nous connaissons, en tout cas pour la majorité des équipes ici, aujourd'hui présentes. Le secteur donc de Montpellier, l'installation est très aisée. Nous serons demain à Albi, nous sommes dans la même logique. Simplement demain, ce que je vous demanderai, je vais y revenir, c'est de respecter les riverains, puisqu'en fait nous serons installés dans un terrain privé. Pensez que vous voyez arriver dans votre jardin 150 camions, donc à un moment donné, pensez à laisser sortir les gens de chez eux. Je compte évidemment donc sur Eddy et les placeurs, mais on en a déjà parlé, mais on est dans cette logique-là. Donc demain, Albi, c'est une zone qu'on a déjà connue. Nous passerons ensuite à Axe 3 Domaines, en montagne. C'est une zone que nous avons également connue. Nous irons ensuite à Bagnères-de-Bigorre, en bord de la Dour, une zone que nous avons également connue, donc très différenciée entre la partie vitrine et la partie coulisse. Donc c'est la Dour qui va faire la différence. Nous aurons un long transfert entre les Pyrénées et, en l'occurrence, l'Ille-et-Vilaine. C'est bien ça ? Saint-Malo, c'est bien ça, hein ? C'est la Bretagne ou c'est la Normandie ? Qui est breton ? Derrière, tu es breton ? Pardon ? Il y a des bretons ici ? Oui. Ben alors, dites-le, putain, c'est pas possible, moi, je suis d'ici. C'est la Bretagne ou c'est pas la Bretagne ? Ça dépend. Parce que le Mont Saint-Michel est quand même en Normandie. Ah oui. Non ! J'étais sûr, ça marche à tous les coups. À tous les coups, ça marche. Quoi, c'est le Couesnon là qui fait la différence, c'est ça ? Alors quand il y a la mer, il est en Bretagne, et quand il n'y a pas la mer, il est en Normandie, c'est ça ? Bon, en tout cas, on va bien en profiter au Mont Saint-Michel. Tout ça pour vous dire, en fait, que les installations techniques, aussi bien donc à Saint-Malo, comment Saint-Michel seront très faciles et très aisées. Donc on est rentré dans un rythme beaucoup plus simple, avec une unité de lieu, avec une zone de vie qui est au même endroit que la zone technique. Là aussi, je vous l'ai dit, je vous ai menti effrontément en vous disant c'est à 2 km alors que c'était à 4 km. Mais vous étiez en bord de mer, les gars, vous avez pu quand même regarder quelques maillots de bain, non ?
Ouais. Qui l'a pas fait? Qui l'a pas fait? Il y a que des vieilles à Nice, mais ça va, oui. Non, mais tu es pas bien ou quoi? Il y a la télé qui tourne là. Tu sais que c'est ton nom va apparaître, hein? Tu sais, après quand les types parlent, là, il y a le nom dessous. Gilou du Tour. Il y a que des vieilles à Nice. Non, mais ça va pas bien, non? T'es malade, toi? Non, c'était une arrivée très agréable et un lieu absolument superbe. Donc vous sentez bien, on est rentré dans ce rythme détendu, je vois des sourires, je vois des visages beaucoup plus reposés. Hein. J'ai retrouvé les vrais yeux de Eddy. Un casse-croûte donc qui est prévu sur la ligne d'arrivée, c'est bien ça Manu? Hein Manu, le casse-croûte ligne d'arrivée, il est là. Il est dans les cartons, c'est ça? Là aussi donc, on rentre dans un système, évidemment Montpellier connaît ça. Respectons-nous les uns les autres, on n'en prend pas 26 sous prétexte qu'on a très faim, il y en a un chacun normalement, s'il y en a plus, il n'y en a plus. Sachez que c'est une gentillesse de la ville qui nous reçoit que de mettre à disposition donc, ces boissons et ces casse-croûtes. Ça n'est pas une obligation contractuelle, c'est simplement une façon de nous accueillir. Au-delà de ça, la ville de Montpellier, dans le cadre donc, de l'agglo aussi, puisque nous sommes installés sur le stade, on est quand même dans un cadre qui est absolument superbe. Le soleil est au rendez-vous, donc voilà, on est dans cette logique-là. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez attentifs à votre santé. Et je vous donne donc rendez-vous demain, 5h30, à Albi, dans le département du Tarn. Selon la formule consacrée, soyez forts et méfiez-vous des cons. Bonne journée.